Merci. Je commencerai d'abord par remercier tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie de levée de couleur, qui est un acte patriotique, combien symbolique. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège et l'honneur de rendre au Sénégal ce qui lui appartient. C'est de lui montrer que ses fils lui sont fiers. Et cela, l'université n'a pas voulu être en reste. Voilà pourquoi, suite aux instructions des plus hautes autorités de ce pays, l'université n'a pas attendu. L'université n'a pas attendu, en collaboration avec le commandement de la zone militaire sud, nous avons en tout cas été très à l'aise pour pouvoir organiser aujourd'hui l'université dans toute sa globalité. Que ce soit les étudiants, vous avez vu la présence de la chorale des étudiants qui a tenu à vraiment prononcer l'hymne national. On a vu tout le personnel, que ce soit administratif, personnel de recherche, personnel enseignant, tout le monde confondu, qu'on soit là et accueillir les représentants du maire de la ville de Lubinchor. J'allais commencer par le gouverneur de la région, le préfet de la ville de Jiguinchor. Donc, le représentant du maire, le président des parents d'élèves, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est un acte symbolique. Nous avons parlé du Sénégal, les établissements de tout ordre devraient et Inch'Allah, cela devrait être une réalité à Jiguinchor, au Sénégal, que des actes aussi patriotiques que les jeunes aient l'impression, les jeunes se sentent chez eux, mais qu'ils aussi sentent qu'ils appartiennent à une cité, qu'ils appartiennent à un pays. Et cela, je crois que c'est une vision du chef de l'État, c'est une recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous l'exécutons avec fierté et avec beaucoup de plaisir. Nous saluons la présence des anciens combattants qui nous ont fait l'honneur d'être là pour cette cérémonie de levée de couleur. Alors, au nom de toute la communauté universitaire, nous retenons et nous réaffirmons que tous les premiers lundis de chaque mois, nous organiserons une telle cérémonie. Les directeurs du FR, les responsables de service sont tenus d'être là. Et tout le monde est en parfaite harmonie pour une pérennité d'une telle action. Je vous remercie.